Dans le reportage Jade et Joy, les secrets des filles Hallyday, un proche de Johnny Hallyday s'est livré sur la fin de sa vie. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday décédé des suites d'un cancer du poumon. Il s'est éteint dans sa maison de Marne, la coquette entourée de ses proches. Sa veuve Laetitia Hallyday et ses filles Jade et Joy étaient à ses côtés. La journaliste Anne-Sophie Jeanne, qui a sorti l'ouvrage Les derniers jours de Johnny, était revenue sur l'incrédulité du chanteur face à sa mort annoncée. Elle avait aussi décrit les relations qu'il entretenait avec sa famille à la fin de sa vie. Jusqu'au bout, quand il apprend sa maladie, il est condamné. Mais malgré tout, non seulement il ne se résigne pas, mais surtout, il part en tournée des MTV en province, il continue de vivre comme si c'était normal. C'est un homme qui s'accroche à la vie, qui ne veut pas la lâcher, c'est une leçon de vie, avait révélé la journaliste sur RTL. Jade et Joy au chevet de leur père. Ce jeudi 20 juin, Energy diffusait un reportage consacré à Jade et Joy Hallyday intitulé « Jade et Joy, les secrets des filles Hallyday ». Un ami proche du taulier s'est notamment livré sur les derniers instants du rocker auprès de ses filles. Il s'agit de Pierre Billon. « Moi, j'étais présent », a-t-il expliqué. Le fidèle ami du taulier est ensuite revenu sur la présence de Jade et Joy. Elles étaient tout le temps avec lui. Les petites étaient présentes sans cesse. C'était très cruel, a-t-il révélé. Au micro de BFM TV, il s'était déjà confié sur le sujet il y a quelques années. Les derniers instants de la vie de Johnny Hallyday. De son côté, la productrice Anne Marcassus avait déclaré sur la situation. Au début, il y avait un matelas par terre carrément. Après, Laetitia a fait venir un lit un peu plus confortable quand même pour les filles. Elle avait ensuite poursuivi, il y a eu des fois où c'était un peu trop dur pour les filles. En effet, elles dormaient dans leur chambre mais Laetitia, il n'y a pas un soir où elle n'a pas dormi à côté de lui. Jusqu'au tout dernier moment, Laetitia Hallyday ne lâchera pas la main de son lion.